spectacle de slam et lecture des extraits des œuvres du lauréat du Grand Prix de la littérature tchadienne 2020. Ce sont là les toutes premières activités de la 5e édition du mois du livre et de la lecture placée sous le thème « Le livre, vecteur de la paix et du vivre ensemble ». La cérémonie du lancement officiel des activités de cette édition 2021 est une occasion pour la ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité d'inviter le public à la lecture et à l'écriture. Selon Ashta Djibrin Sy, la lecture enrichit le langage, améliore l'écriture et permet de découvrir le secret du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le gouvernement de transition, sous l'impulsion du général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, fait de la culture une priorité pour la recherche et la promotion de la cohésion et de l'unité nationale. La ministre de situer que cette 5e édition sera marquée par le Grand Prix du Tchad, celui du jeune talent, la meilleure plume féminine et le prix de la littérature arabe. Il y aura également des ateliers d'écriture et des scènes de lecture publique.